بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وارضَ اللهم عن الخلفاء الراشدين وصحابته اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ميسر mon frère les louanges les remerciements les eloges ne qui est le premier, qui n'a pas de début, le dernier, qui n'a pas de fin, l'apparent, le dominant sur toute chose. Le subtil le bien informé, nous le louons, nous revenons vers lui repentant, nous lui demandons protection contre les conséquences de nos péchés et les tendances de l'âme. Celui qui Allah guide, nul ne saurait l'égarer, celui qui est privé de sa guidée, nul ne saurait lui montrer le droit chemin. J'atteste donc est le seul digne d'adoration, j'atteste la véracité, de l'exemplarité, de la prophétie de Mohammed ibn Abdullah, qu'Allah bénisse ce prophète, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin et nous fassent l'honneur d'en faire partie. Ensuite donc... Notre Seigneur Subhanahu wa Ta'ala qui a tout créé, ignorerait-il celui qui a créé, et c'est lui le subtil, le bien informé Il a voulu faciliter la vie à cette communauté de Mohammed Sallallahu La vie aux hommes en général, particulièrement à la dernière des communautés, est la meilleure d'entre elles. Il nous a envoyé le meilleur des hommes, comme miséricorde pour les univers. Il a voulu, Subhanahu wa Ta'ala, nous ordonner le facile. Au travers du jeûne, celui qui jeûne, donc un seul jour, pour la face d'Allah, il éloigne ça face de l'enfer d'une distance de 70 années de marche. Allah, qui a tout créé en couple, a voulu que nos épouses, nos mères en particulier, nos sœurs, vivent une physiologie qui soit différente de celle des hommes, de nos frères, de nos pères, de nos oncles, de nos grands-pères. Et Allah n'est pas oublieux. Allah est miséricordieux. Allah a voulu donc au travers des cycles menstruels qu'il y ait nidation. Et ensuite, quand il y a fécondation, cela devient une grossesse. Quand il n'y a pas fécondation, cela devient des monstrueux, Un écoulement de sang qui varie en général entre 5 et 7 jours. Et pendant cette période, n'est-ce pas, que la femme ne jeûne pas, elle ne prie pas. Mais quand il y a une grossesse, la grossesse, c'est cette conception après ovulation qui va être se transformer en morula et ensuite en embryon et après neuf mois en général, en tout cas chez les êtres humains, on a le fœtus qui devient un bébé et Allah ordonne son expulsion et donc il voit la vie pour le temps que Allah a décrété. Pendant cette période, le jeûne devient difficile à la femme enceinte et également après cette Délivrance, cet accouchement, la, le, la mère, qu'Allah bénisse nos mères, allait son enfant et l'allaitement complet est estimé à deux ans. Même si aujourd'hui, le, le lait maternel du premier âge, du deuxième et du troisième existe, il n'y a pas de meilleur lait que le lait de la maman. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a permis à la femme qui a des difficultés de jeûner parce qu'elle est enceinte ou parce que elle a de ne pas jeûner. Ensuite, les savants ils ont divergé pour savoir est-ce que elle rattrape son jeûne ou est-ce qu'elle nourrit un pauvre. Allah subhanahu wa taala dit dans la surah Al-Baqarah, verset 184 :« Ceux qui ont des difficultés à jeûner, alors la nourriture d'un pauvre. » Ceci, les savants, ils ont divergé dessus, et la majorité des savants ont dit que la femme est considérée plutôt comme celle qui est malade maintenant qu'elle est délivrée et elle doit jeûner d'autres jours. Mais ce hadith, ce n'était pas. Donc cette compréhension n'était pas celle de d'Ibn Abbas qu'elle a la que comme père, ni de Ibn Amr qu'elle a la ainsi que son père. Donc, ils sont deux compagnons du Prophète, deux jeunes compagnons, mais deux des plus grands savants de cette communauté et des plus respectueux de la Sunnah de Muhammad. Sal en effet, Anas ibn Malik, ibn Abdullah ibn Kaab, qui n'est pas Anas ibn Malik, Al Ansari, qui, est, qui a été au service du Prophète pendant dix ans, de 8 à 10 ans, mais celui-là, c'est notre Anas. Il apporte, dans ce qui a été consigné dans le livre de Thérèse de la miséricorde il rapporte un hadith dans lequel le prophète a dit, n'est-ce pas que Allah, après avoir invité Anas, il a trouvé le prophète, il est venu, donc trouver le prophète qu'il a invité à manger, il a dit non qu'il jeûne, il a dit n'est-ce pas que Allah a accordé une facilité aux voyageurs, a divisé, a donné aux voyageurs comme cadeau une, la moitié de la prière, c'est-à-dire les prières de Kataraka 4 4, sont de deux, et a permis à la femme enceinte et la femme qui allait, les a dispensés de jeûne. Et donc, ceci a été compris. C'est un hadith qui est authentique. Il a été compris par Abdallah bin Abbas qui dit que le verset qui compte 184 ne concerne pas seulement, il n'est pas abrogé. Il n'est pas abrogé et pour lui, c'est un verset qui concerne les personnes âgées qui ne peuvent pas supporter le jeûne, ainsi que la femme enceinte et celle qui allait. Donc cette divergence existe entre les savants. Et on ne peut pas dire à une femme qui n'a pas jeûné à cause de sa grossesse, par crainte pour la santé de son bébé, ou parce qu'elle ne supportait pas, de rendre le jour le jeûne, comme certains l'exigent, même si c'est l'avis majoritaire. On ne peut pas l'affirmer dans la mesure où il y a cet avis d'un savant qui est Ibn Abbas, d'un autre qui est Ibn Ammar, qui ont ordonné de à la femme qui est enceinte et à la femme qui l'aide de nourrir plutôt un pauvre plutôt que de jeûner. Et ceci est, est une faveur d'Allah, une miséricorde d'Allah. En effet, une femme qui passe par ce que Allah fait des changements physiologiques, qui peut durer neuf mois en général. Et ensuite, qui accouche le temps des lochis Je ne sais pas quand le ramadan arrive. Imaginons seulement que le ramadan arrive quand elle est dans ses premiers mois les plus difficiles, physiologiquement en tout cas, entre nausée et le reste. Et donc elle va avoir 9 mois, 8 mois, 7 mois peut-être. Après le ramadan, elle va accoucher. Elle aura 40 jours peut-être de lochis, ce qui fait plus 8 mois. Si on part sur la base de 7. Et ensuite elle va allaiter. Qu'est-ce qui va lui rester avant l'autre ramadan pour jeûner Et si elle décide d'allaiter pour quelques temps, qu'est-ce qu'elle ne pourra pas jeûner pour l'autre ramadan Nourrir est une solution que l'on ne peut pas refuser aux personnes. Mais si elle peut, si elle veut jeûner, il n'y a pas de souci, comme nous l'a expliqué le professeur Salam, à propos du voyage, à propos d'autres choses. Mais Allah permet à la femme qui est en grossesse, à la femme qui est enceinte, et à celle qui allait, Allah leur permet de nourrir à la place du jeûne. Le jeûne ne leur sera donc pas une chose qui est obligatoire. Tel est l'avis de l'Imual Albanique à l'Efface Miséricorde, de ses élèves et d'autres savants, même si cet avis-là est un avis qui est minoritaire, mais il est fondé. Fondé sur quoi pas sur, le, pas sur le raisonnement. La femme, malade, la femme qui est enceinte n'est pas une femme qui est malade. Celle qui allait n'est pas malade. Mais elle va jeûner avec difficulté et Allah a abrogé le choix de jeûner de ne pas jeûner qu'il donne dans le verset 184 de la surah Al-Baqarah qu'il a abrogé dans la sourate dans, dans le verset qui suit 185 pour quiconque voit la lune sauf c'est une abrogation qui n'est pas une abrogation qui est complète sauf le la personne qui est âgée ou qui ne peut plus jeûner là Femme qui est enceinte et la femme donc, qui allait. Qu'Allah bénisse nos mères. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala, seul, qui peut les récompenser, les récompenser par le meilleur, fasse sortir de nous mieux que nous. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala bénisse nos savants qui ont voulu, sur la base du Coran et de la Sunna, comprendre, donc expliquer et aider cette, les musulmans de cette communauté noble, celle du prophète sallallahu sallam, سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته